Oh là, on t'entend, c'est mieux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va tout le monde? Attendez, je vais un peu régler mon micro. Hop, ouais, voilà. Quand je règle ça, il fait ça. Voilà, c'est parfait. Pas de folie comme les autres, hein. Salut Ghislain. Salut Arctic Man. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. On va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous commencez bien votre semaine? Oula, j'ai l'impression que mon micro est un peu réglé fort. Attends, je vais le baisser un peu. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Ben non, si tu attends, à chaque fois, les gens se forcent à arriver à l'heure. Ben non, si tu attends, à chaque fois, les gens se forcent pas à arriver à l'heure. Oui, bah ensuite, c'est un peu standard, surtout que d'attendre 2-3 minutes avant de commencer. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, quand on lance le stream à l'heure, il y a des Twitchers qui mettent 2 minutes de battement pour que les gens arrivent. Ça fait partie un peu du jeu, quoi. Quand tu parles, on t'entend. C'est déjà pas mal. Secondes, je sais pas combien. Il y a beaucoup de décalage là avec le chat. Oui, mais je baliserai un poil ma musique. Baissera encore? Tu baisseras encore. Est-ce que c'est en retard par rapport à ce que je viens de baisser ou est-ce qu'il faut le baisser encore? Sinon, je peux remonter un tout petit peu mon son. Là, ça serait peut-être aussi un peu mieux. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Mais je peux baisser encore un peu la musique. Bonjour le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Bon, d'accord. Fatigué. Ok. Bon! Il y a un peu de monde, donc je vais commencer. Donc, Les Chevaliers de Baphomet, une série légendaire de l'histoire des point-and-click. Une série qui s'est lancée en 96, ce que je regardais tout à l'heure. Attendez, je vais reprendre mes notes, merci Wikipédia. 96, c'est ça, ouais. Moi, j'ai dû les avoir en 97 ou 98. Parce que je les ai eu en bundle avec les bouquets Quetzalcoatl, qui est le numéro 2 de la série. Qui est très très bien aussi, enfin d'ailleurs je pense que je peux faire Quetzalcoatl. Même si les cheveux de Baphomet j'aime beaucoup aussi. Là on va faire la version Director's Cut, donc avec 2 heures de jeu que je ne connais pas du tout au début du jeu. Ça se dit, tu fais un top et tu comptes le temps pour que ça apparaisse dans le chat. Et tu connaîtras le décalage. Pense à noter le temps quand tu top. Bah, c'est qu'en fait, moi, si je dis top. Là, si je dis top. Attends. Top. Voilà. je suis pas sûr. Il faudrait que tu me dises. C'est toi qui dois me dire. Parce que moi, ça apparaît en direct dans le chat. Ah, tu veux dire dans le chat à gauche? Ah oui, d'accord. Oh oui. Attends. Top. Oh bah ça a pas l'air de beaucoup décaler en fait. En tout cas moi ce que je vois par rapport au chat m'a pas l'air d'être absurde. Bref, donc Les Chevaliers de Baphomet, disais-je, série qui a été créée par Charles Cecil, qui est un anglais, avec sa société Revolution Software. Et
Et donc, c'est un des premiers gros hits en matière de... Oui, on recommencera plus tard, pas de soucis. C'est un gros hit en matière de jeu d'aventure parce que il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui à l'époque était assez impressionnant. Donc ensuite, le jeu a plusieurs noms. On a les Chevaliers de Baphomet en français. En anglais, la série s'appelle Broken Sword, l'épée brisée, parce que ça va être un des éléments de l'intrigue. Et Shadow of the Templars, l'ombre des Templiers. Voilà. Et il y a eu aussi aux États-Unis, il s'est appelé Broken Sword Circle of Blood, donc le cercle de sang. En Allemagne, c'est Baphomet Flush, je sais pas, la malédiction de Baphomet. En Italie, c'est Il Segreto dei Templari, le secret des Templiers. En Espagne, c'est La Leyenda de los Templarios, donc la légende des Templiers. Voilà, un peu. Donc c'est un point and click. Je pense que le jeu a bien marché aussi. T'es pas en train de tapoter quelque part? Non, il me semble pas. Ah, il y a encore des crêtes sonores. Encore... Attends, je vais rebaisser pour enlever un peu des crêtes, mais il va falloir que je... Attends. Voilà, est-ce que là c'est mieux? Au niveau des crêtes. Ouais, disais-je... J'ai regardé un peu le fil. Le jeu a bien marché aussi, je pense, parce que c'était un point... on était dans la grande époque des point and click LucasArts, en fait. Qui était très 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 sympa avec des univers très cool, mais ils avaient deux inconvénients. Le premier, c'était de se passer dans des univers assez fictifs qui pouvaient pas plaire à tout le monde. D'accord, j'ai encore baissé le mic. Univers fictif qui pouvait pas forcément parler à tout le monde. Et ensuite, je vais remonter un tout petit peu la voix. Voilà. Encore, bla. Ouais, voilà. Donc on se passait dans un univers fictif qui n'était pas forcément accessible à tous et c'était pas très familial entre guillemets comme façon de dire. Et en plus ils avaient tendance à avoir des énigmes un peu cheloues et loufoques héritées de Ron Gilbert et Tim Schafer qui avaient tendance à aimer la loufoquerie. Baphomet, il changeait un peu parce que les énigmes étaient très logiques en fait. On pouvait avoir des fausses pistes, des machins, et puis l'histoire était se passer dans un monde semi-contemporain, idéalisé d'ailleurs. Il deviendra de plus en plus idéalisé jusqu'au dernier, là, qui est sorti il y a quelques années, La Malédiction du Serpent. Bon, ça craque encore sur la voix, mais je te le dis juste pour info. Oh. Ouais, je pense que c'est peut-être la cellule de ce micro qui est abîmée. Va peut-être falloir que je le change. Ou alors c'est peut-être le câble qui... Attends, on va brancher déjà. Est-ce que ce sera un peu mieux là? C'est peut-être le câble XLR aussi qui a un défaut. Il faudrait que je contrôle ça avec plusieurs câbles, etc. Mais je pense que je vais changer de micro d'ici quelques temps, donc voilà. Je disais, oui, un univers assez crédible, même si, qui nous semble connu, surtout pour les Français, ça a très bien marché en France, parce qu'une grosse partie de l'intrigue de celui-là se passe en France, et à Paris en particulier. Ah, jamais en direct le débranchage. Ah oui, j'aurais dû couper le micro avant de débrancher, excusez-moi. Déjà un univers tangible, sachant que cet univers il est quand même très idéalisé. On y voit un Paris qui est un Paris idéalisé par des Anglais. C'est sans doute un Paris très Amélie Poulain d'ailleurs, mais Amélie Poulain est sortie après. Mais c'est Paris un peu très idéalisé quoi. Vous verrez. Là on va faire la Director's Cut dont je ne connais pas tout le début. Parce que c'était l'édition qui était disponible sur Steam. Alors moi, elle me fait un peu peur cette Director's Cut. Vous allez voir pourquoi, mais parce que ils ont essayé de faire des trucs que j'aime pas trop.
Ils ont travaillé avec Dave Gibbons. Dave Gibbons, qui est un des deux dessinateurs de Watchmen, et d'ailleurs ça se reconnaît dans le style, qui, avec Alan Moore, si je dis pas de bêtises, qui a fait des expressions faciales et certains dessins. En fait, ils ont rajouté dans les dialogues. Avant, on avait juste le dialogue avec les trucs écrits en bas, etc. Et maintenant, on a des petits personnages sur les côtés qu'on voit enfin en gros plan. Et moi, je trouve que le style correspond pas à l'ancien style visuel. Donc, ça m'embête un peu. Et il y a aussi des séquences où qu'ils ont rajouté. Et pareil, ça jure un peu. Ça fait un peu Frankenstein avec des choses qui ont été refaites. Dans les années 2010, quand ils ont fait des portages pour la Wii, etc. Mais c'est un jeu qui s'est beaucoup porté, il était même sur Game Boy Advance. Tiens, attendez, je regarde vite fait. Il était sur portage Game Boy Advance. Ils ont enlevé les voix parce que bah, et la palette de couleurs était réduite parce que Game Boy Advance oblige. Il a été porté sur Wii et DS, et le remake est aussi sur Android et iPhone, iPod Touch. Et il est sorti en 2010. Et je sais pas quand il est sorti sur PC le 27 août 2010. Il est également disponible en version remaniée sur iPad. Et vous pouvez trouver dans le remake que j'ai sur Steam, on a aussi la version originale. Alors je sais pas, peut-être qu'à la fin de... Oh, merci Tonton Tinou pour ce raid, c'est super, merci beaucoup. Donc oui, peut-être qu'à la fin de du jeu, je ferai une petite exploration de la version originale. Pour voir ça. Et l'autre truc, bah, surtout, ils ont rajouté tous ces trucs, mais ça aurait été bien de remasteriser un peu les graphismes, parce qu'on bah, on a le droit à des graphismes 640 par 480 sur un écran en presque 4K maintenant. Donc c'est un peu... Les barbares nous attaquent. c'est un peu moche, on va dire ce qui est. Ensuite, bon, heureusement, le jeu a un style cartoon, donc pas trop gênant. C'est les 1, je les reconnais, ils sont 2. Ok. Bon, et ben, on va démarrer le jeu. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais remettre l'audio parce que j'avais enlevé la musique du générique. Voilà. Et on va faire une nouvelle partie. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Donc autrefois, voilà. J'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Et par contre là ils ont récupéré, ça commençait là en fait le jeu à l'origine. Bref, ils ont coupé, ils ont fait un espèce de sarcutage, a priori le jeu semble, d'après ce que disent les critiques, plus cohérent dans sa narration. Bon, le temps de voir, je trouvais que le départ à l'ancienne était sympa. Donc la vue générale de Paris là, que j'ai utilisé pour faire ma petite vignette. Ouais, voilà. Ce qui me fait peur, c'est surtout le côté transformation du matériel d'origine. Mais bon, enfin, faut voir. Parce que vu que ça a été Charles Cécile, le problème, c'est qu'aussi, là, j'ai fait la malédiction du serpent il y a quelques temps, et c'était pas ouf. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant. Et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias. Un héros national. Et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à deux pas de la royauté.
Oh, je déteste les mimes. Mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview ? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne ? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse est fort jolie, mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Monsieur Strauss-Kahn. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père ? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Bah oui, il a toute une collection. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu ! Monsieur Carchon, est-ce que... On a perdu DSK. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas ? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la reine de glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seul sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête ? La réponse me semblait évidente. Et voilà. Et là, on va commencer à jouer. Bon, là, il nous explique les nouveautés en termes de trucs. En gros, il y a des icônes en bas. On va faire simple. C'est bourgeois. Donc, déjà, on a vu un peu aussi, moi, ce qui me fait bizarre dans ce jeu, c'est, par exemple, Imelda, la femme de Carchon, elle était animée sur une base 3D, en fait, alors que les personnages de Broken Sword, à la base, étaient faits en 2D avec des sprites. Et du coup, je trouve que ça jure aussi. Et c'est la technique qu'ils ont utilisée pour le 5, la malédiction du serpent, oui, ce que je disais pendant la scène cinématique, mais j'ai préféré m'arrêter, c'est qu'il y a eu un 5 qui est sorti en 2015, 2016, un truc comme ça, 2017. Je ne sais plus exactement, mais bon, forcément, aimant beaucoup la série, je l'ai pris. Et j'ai trouvé que c'était un peu faible, quoi, en termes de scénario. Et même de création graphique, voire un peu too much. J'ai un peu l'impression que Cécile, il a un peu... Bah, il gagatise un peu, comme beaucoup de vieux créateurs. Donc... On va faire des petites sauvegardes, voilà. Donc c'est parti. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce, c'était effrayant. La bibliothèque était remplie de premières éditions. Donc ouais, on a ce système qui est hérité du moteur Scum,
qui était celui de Monkey Island et de beaucoup de jeux LucasArts, qui est utilisé d'ailleurs en partie sur Game.Ango, qui va avoir, bon, alors ils ont modifié le truc avec un système d'action contextuelle, c'est-à-dire que là on va avoir des directions avec les doigts, les yeux vont nous permettre d'observer des choses dans le décor, et on va avoir la loupe ou l'engrenage qui vont nous servir à... loupe c'est pour regarder de plus près, engrenage c'est pour activer des mécanismes. Bon, on va regarder le corps. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Sa barrette préférée. Donc... Ouais, d'accord. Donc ouais, là on voit l'inventaire où il y a la barrette. La barrette qui était un des éléments qu'on avait à un moment dans le jeu avec Nico. Et du coup, voilà, ça fait partie de ces trucs-là, c'est qu'ils ont rendu plus crédible l'obtention des objets. Enfin, moi, je trouve ça très bien que Nico l'ait de base. Je te laisse, bonne continuation. L'assassin, c'est le mime, spoiler. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Sa préférée, hein. C'est la barrette noire, absolument standard. Et pareil, là, vous voyez, le style graphique du personnage, bah, je trouve qu'il est un peu différent du reste. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Je lui avais ouvert les yeux. Il valait mieux ne pas toucher à la scène du crime. Qu'est-ce qu'on fait? On les ferme ou on les ouvre les yeux? Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Super. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliqué, je ne pouvais plus reculer. Alors, je ne sais pas si on peut sortir et ne pas toucher aux preuves. Qu'est-ce qu'on fait? On lui ferme ou on lui ouvre les yeux? J'ai pas de barrettes préférées, j'ai des barrettes disparues. Et des barrettes pas disparues, j'utilise. Oui, beaucoup de barrettes disparues par terre chez moi, à différents emplacements. On fait quoi? Ouvrir ou fermer les yeux? Je sais pas du tout si ça va impliquer quelque chose avec les flics, parce que j'imagine qu'ils vont arriver plus tard. Donc dites-moi. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Alors maintenant on a un système d'indices aussi avec le petit point d'interrogation. Et on a un journal. Qui reprend les éléments, par contre c'est écrit tout petit par rapport à la résolution. J'imagine que quand on est en 640, c'est plus gros, mais bon. Fermé parce que de toute façon, il y a tes empreintes. Oui, bon, ça c'est pas faux. Ok. Ouais, ensuite, on est dans un univers où on n'est pas sûr que la criminelle existe. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. C'était l'œuvre du mime. À moins que le chat ne s'y soit mis aussi. Et là, vous voyez, elle marche à moitié dans le vide. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Fourrée dans sa poche, l'échelle. Une poignée de fenêtres haute sécurité authentique du 18e siècle. On va sortir de la pièce. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Bah oui, parce que tu peux pas lasser la police sur son travail. T'es une journaliste. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile.
Un magnifique tissu recouvrait la table. Il était brodé d'un symbole inhabituel. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un si petit trou. Il y avait un petit trou sur le dessus de la table. Un morceau de la marqueterie avait été arraché. Et si on essayait d'utiliser ma... Ah ah ! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Une clé avait été cachée dans le compartiment secret. Et elle n'avait rien d'ancien. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Salut Hagrid. Salut Bigwood. Pour ceux qui ne connaissent pas Hagrid, enfin Bigwood, c'est le nom d'Hagrid. C'est le début du jeu. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. Il y a eu un assassinat, pour info, d'un homme politique qui ressemble vraiment à Dominique Strauss-Kahn. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme ? J'admirais votre peinture bleue outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Elle veut pas si bien que ça, quand même. Imelda avait l'air sous le choc, mais... toujours aussi hostile. Je viens de me lever, je me souviens du début du jeu. En fait, là, on est dans la version Director's Cut, donc c'est pas le début du jeu où on commence au café de la chandelle verte qui explose, en fait. C'est une autre version. Et le café, ce sera dans quelques heures. En fait, là, on commence avec Nico, alors que d'habitude, Nico, on la joue pas du tout dans le 1. Elle nous file des coups de main, mais on la joue pas. Imelda avait l'air sous le choc, mais toujours aussi hostile. J'avais pas écouté ce qu'elle disait. Même le téléphone était une antiquité. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a ce genre de téléphone. Pourquoi ? Je vois pas le rapport. C'est de la téléphonophobie. Téléphonophobie. Excusez-moi, madame. Oui ? Voilà, et ça, c'est ça, les trucs qu'ils ont rajoutés. Moi, je vois pas très l'intérêt. Et puis, pareil, j'aimais bien les affichages des sujets de discussion étaient... Je sais pas, je trouve ça plus esthétique, là, ça fait plaqué, gros, et à la fois très petit. Bref, c'est une question esthétique de cette version Director's Cut, mais bon. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Par contre, il y a toujours eu ce système avec des images... et pas des textes tout préécrits pour poser des questions. Et ça j'aime bien, c'est toujours sympa. Ça donne un côté, on n'est pas trop sûr de ce qu'elle va dire. Et puis le fait de cliquer nous lance le dialogue, c'est comme si on réécoutait le dialogue qu'on avait déjà vu écrit. Gros cadre, petits éléments. Je comprends pas. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir ? De quoi voulait-il que nous parlions ? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien ? Jamais, et franchement, j'aimais autant. Comment votre mari a-t-il connu mon père ? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas ? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Gros cadre, petits éléments. Ah oui, d'accord. Pour les dialogues, je suis d'accord, le cadre est trop gros et les images trop petites. En fait, c'est ce que j'explique au début, c'est qu'ils ont gardé la résolution en 640 par 480 du jeu original, et ça aurait été bien de la booster un peu pour le jeu remasterisé, quoi. C'est le journaliste, ils écrivent des articles. Puis le cadre est moche. Ouais, ben ouais, avant c'était juste un fond noir qui était là dans la barre en bas, et... c'était tout à fait suffisant, mais en fait, c'est parce qu'ils l'ont adapté, je pense, aussi sur Android, et je pense que ça rendait le tout plus lisible sur Android. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari ? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Ce doit être un beau scoop pour vous.
Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral ? Et en fait, l'autre truc qui me paraît bizarre, c'est que d'avoir rajouté des expressions faciales, c'est pas mal. Mais par contre, les personnages, il n'y a pas de lèvres qui bougent quand ils parlent. Et par contre, les personnages dans la scène ont les lèvres qui bougent quand ils parlent. Et du coup, bah, ça fait très bizarre ce truc. Enfin, moi, je les enlèverais, j'en foutrais en fait, d'avoir les gros plans. Je trouve que le truc de base est tout à fait lisible. Est-ce qu'on est gentil ou est-ce qu'on est méchant avec elle ? Parce que là, en gros, c'est ça, on a la petite auréole ou les petites cornes de démon. Est-ce qu'on est gentil ou méchant ? On va faire un petit truc en attendant votre réponse. Je vais repasser sur ma vue. Ma vue modo. Allez, on est gentil. Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Votre famille ? Vos amis ? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'ai pas d'amis. Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas ? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle ? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. What the fuck ? Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Parce que les flics, ils sont nuls. Bon, on va être gentil pour qu'elle pense à nous faire confiance. Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer. Et il savait que je pouvais l'aider. Vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ces tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas ? Je fais confiance à si peu de gens. Et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire aussi, bien sûr. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Qu'est-ce que c'est la vidéo, là, YouTube ? Pardon, moi j'ai pas d'amis. Oui, d'accord, ok. Ok, bon. Je n'avais besoin de téléphoner à personne. Pas avant d'avoir résolu cette affaire. À ton rédac chef, non ? C'est pas mal, non ? De prévenir son rédac. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. Bon, maintenant qu'on est à la clé, on va se rapprocher vers là. Alors, par contre, ce qui était chiant dans ce jeu, ça a toujours été, c'est le fait que bah, il faut attendre pour marcher avec le personnage. Une très jolie porte baroque. Marche pas vite. Elle aurait été parfaite dans mon appartement. La porte était fermée. Bah oui, on sait bien. Elle t'a filé la clé. Enfin, j'avançais. C'est la bourgeoisie chambre à part. Bah oui, ils ont plusieurs chambres déjà. Hop, on va rentrer. Un interrupteur. Même l'interrupteur était impressionnant. Pourquoi ? Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. Le tableau représentait les Carchons en couple. Deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Ou est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope ? Les Carchons, noblesse oblige. Les Carchons, d'accord, noblesse je pense qu'on oblige. Peut regarder le château derrière. Le tableau était solidement accroché au mur. Ah, il y a un bouton. Il y avait un petit bouton caché sur le côté du tableau. Il est vachement caché, hein.
un clic quasi inaudible avait retenti. Ah d'accord, ça s'ouvre pas là. Si ? Ah oui d'accord, il faut tirer, ok, oui. Il y avait un coffre derrière le tableau. Alors moi j'ai la clé du coffre, mais j'ai pas le code. C'est ça, la clé. Ah bah si, d'accord, ok, pas besoin du code, c'est très bien. Il y avait un étrange cylindre dans le coffre. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen de... d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet. Et Carchon ne s'en souciait plus. On dirait un sous-cylindre... Un sous-cylindre de... Je sais plus comment c'est... De l'époque sumérienne. En gros, c'était des cylindres où il y avait des trucs écrits et quand on les imprimait sur une tablette d'argile en les faisant tourner, ça révélait ce qui était écrit et ça permettait de... C'était la version la plus ancienne. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. C'est bizarre, on dirait le même symbole que sur l'artefact. La clé d'un coffre. C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux mouches pour me faire plaisir. C'était le tube de peinture bleue outre-mer trouvé sur le chevalet d'Imelda. C'était la clé du salon. La surface de l'ancien artefact. Bon, d'accord, ok, on regardera après. On va fouiller le fauteuil. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. Le canapé était une antiquité. Pendant un pénible instant, j'avais imaginé Carchon vautré tout nu là-dessus en train de se tortiller avec une jeune journaliste. Bah. C'est carrément le même symbole cylindre. Ouais, j'ai bien l'impression, on est d'accord. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour quoique je l'imitais... Ok. Alors, où est-ce qu'on a des trucs à cliquer? Par contre, c'est une série que je trouve très 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 bien en termes de... Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. On y retrouve à peu près tous les ingrédients d'un escape game classique. De toute façon, les escape games sont inspirés des jeux d'aventure, mais celui-là particulièrement. C'est-à-dire qu'on va avoir des pièces dans des espaces pas trop grands, avec des... De la fouille, du mécanisme, de l'énigme, des machins, de la déduction. Et je trouve que, ouais, c'est... Je pense que d'ailleurs, c'est inspiré les Japonais qui ont créé Escape Game, les premiers Escape Game à l'origine. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté. Mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. La corbeille à courrier, comme tout le reste dans cette pièce, était de toute beauté. Je m'étais promis qu'un jour j'aurais une corbeille à courrier comme celle-ci. Oh, c'est vrai qu'une corbeille... Même si j'avais dû vendre mon appartement pour me la payer. Une corbeille... Comment s'appelle ? Enfin, une corbeille à courrier en or massif. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Pourtant, elle est en or massif. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Bah, si. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. C'était une feuille de papier buvard dans un étui de cuir. Sa surface craquelée semblait ancienne. Elle me rappelait son propriétaire. Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse un truc du genre la peinture sur le cylindre. Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. La peinture dans la corbeille. Ouais, voilà, c'est ça. Le pot, il est un peu énorme, là. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. Et là, on peut prendre... Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvant. Ça allait abîmer la corbeille à courrier, mais j'étais sur la bonne voie. Oui, d'accord. Okay.
J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Il restait des traces de peinture dans la corbeille à courrier. Elle ne serait plus jamais la même. Une corbeille à courrier ancienne avec de la peinture dessus. Je n'allais pas pouvoir en faire grand-chose. Et par contre, là, je dois pouvoir utiliser le cylindre sur le truc. Une bannette, oui, merci. Génial, mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce plan. Que ça disait ? C'est un grand plan, hein. Un message secret s'était imprimé sur le papier buvard. Le message codé devait être en indice. Le message disait « subiudice ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. Une date. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, « subiudice » pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre, et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Sachant que vous verrez, mais son appart de genre un peu fauché pour un appart parisien, il est un peu grand, vous allez voir, plus tard dans le jeu. Et par contre, si j'essaie de... Oh non. Bah, d'accord. Bon, bah j'ai ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à repérer? Cette porte. C'était la porte de derrière. Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. Ça n'avait pas marché, mais l'inverse aurait été étonnant. A priori, on doit repasser par devant, hein, si j'ai bien compris. Je vérifie que j'ai rien oublié dans le décor. Non, ça a l'air bon. En fait, quand on double-clique, par contre, on passe directement les portes, ça va un peu plus vite. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Cette statue, vous savez d'où elle vient ? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus. Un rapport avec non, l'Afrique. Mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi ? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande ? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venu ici. La clé de tout, c'était subiudice. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. On attendait les flics, hein, du coup. Kershaw n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. La conciergerie, un ancien palais royal transformé en prison, puis en tribunal, avec aussi la guillotine la plus active de toute la Révolution française. Donc voilà, ça aussi, le jeu, il a un peu cet avantage de servir un peu de truc de visite de Paris et de différents endroits. Tout ce qui est en ton pouvoir, mais tu es journaliste, pas détective privé. Oui, mais ça va être le problème des persos de cette série. Un de mes ex habitait sur une péniche. Et malgré ça, il n'avait jamais de liquide. Paradoxal, non ? Elle a eu beaucoup d'ex, par contre, Nico. C'était l'ancien abri à bateau de la conciergerie. Si j'avais raison au sujet de... La réponse devait se trouver quelque part sur le quai. Subiudice. J'ai coupé en cliquant parce que je voulais qu'elle se déplace, mais on ne peut pas la déplacer pendant qu'elle parle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, déjà un problème de... perspective. La clôture refusait de bouger. La clôture était fixée de manière permanente.
Ouais, ensuite c'était pas super éducatif non plus. Hein. Cette clôture refusait elle aussi de bouger. Mais par contre, ça éveillait un peu l'intérêt, etc. La clôture etc., était fixée de manière permanente. Pour les endroits qui étaient traversés. Sachant que bon, c'est tout. Ensuite, ça par exemple, cet endroit-là est pas forcément déconnant par rapport cette au vrai Paris. Elle me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Je savais que j'étais sur la bonne piste. Oui, elle était aussi sur ton truc imprimé, mais bon, à part ça. Bon, j'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. Deux cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Oh, super, un tangram. J'adore. Vous devez déplacer les blocs rectangulaires pour que le taquet puisse se déplacer jusqu'au bout afin d'ouvrir la porte. Les blocs se déplacent de toute leur longueur, verticalement ou horizontalement. Pour déplacer un bloc, cliquez dessus et faites-le glisser horizontalement ou verticalement le long de l'axe approprié. Bon, on regardera ça après, là c'est la même chose. Ok. Et j'avais vu qu'elle pouvait. Je n'allais pas partir aussi non, vite. Ouais, d'accord. Je sentais que j'allais faire d'autres découvertes. Ça me fait penser à l'Émerillon que je n'ai jamais fini. Je connais pas. Bon, ben on va devoir faire ces magnifiques tangrams. Je suis nul avec ces trucs-là. Enfin, pas tangram, taquin. C'est des taquins. Alors, je pense qu'il faut relever ça, décaler ça, ça. Ensuite, je suis nul, mais s'il est pas compliqué, ça va quoi. Ça, on peut pas bouger. Tac, tac, tac. Un super jeu publicité par des bibliothèques et écoles publiques qui se passait dans un potier médiéval. Ah d'accord, ok. Ah, oui, d'accord, ok. D'accord, donc ça je l'envoie à droite. Ça je peux pas le remonter. Non. Si je descends ces deux là, ça je peux le déplacer là. Ouais, mais on revient à ce que je faisais tout à l'heure. Celui-là qui va remonter, il faudrait que je décale ça. Je suis un peu coincé. Ok, alors attendez. Je suis vraiment pas bon avec ces trucs-là. Enfin, la moitié de fait. C'est chaud télé en chat, celui sous l'élément principal, complètement à gauche. Ouais, bon, c'est bon, j'ai trouvé. Non, mais faut tâtonner avec ce genre de truc, c'est pas super compliqué. Non, mais il est pas super complexe en fait, honnêtement, c'est juste. Faut comprendre la logique du machin. C'est vrai que j'ai jamais été très très bon avec ces trucs-là. Ça non, ça si je relève ça, ça va là, si je peux faire ça, ceux-là ils partent que en haut et en bas, donc on s'en fout. Tac, non, ça bouge pas. Ça si je descends, ça passe pas assez. Faut que j'arrive à virer celui-là. Donc pour ça. Ah bah attendez, si je fais ça. Tac. Non, je suis bloqué. Tac, tac, il faudrait que je dégage celui-là.
gratte. Qu'est-ce qui me gratte? Excusez-moi. On va essayer de les faire tourner jusqu'à ce que ça passe. Non, là, c'est bloqué. Ah, mais est-ce que... Ah, ça j'avais pas vu. Du coup, ça peut peut-être m'arranger. Ou pas. Attendez, on va faire comme ça. Je fais un taquin un peu chiant, Arctic Man. Est-ce que ça réinitialise quand je quitte? Non, pas du tout. Ah si, ça réinitialise. Non, je sais pas. Arrête et écoute, c'est facile. Bof, ouais, si tu veux. J'attends. Sinon, je pourrais garder une solution. Hein. J'aime bien tâtonner sur ces trucs. Ah, attends. Ça, je l'avais pas fait avant. Non mais attends, je pense que... Enfin, je peux me tromper. Il descend le plus à gauche. Plus à gauche. Celui-là. En bas à gauche ou en haut à gauche? Ah ok, vas-y. Non mais je vais redémarrer, attends. Donc tu disais descend le plus à gauche. On va dire qu'on descend celui-là. Ok. Il y a trop de décalage, ouais. Bon, sinon il y a une aide hein, dans le jeu. Hein. Donc je pourrais regarder dessus hein, si je vois que je galère trop. Tu vois Discord sinon? Attends, bon bah si tu veux. Deux secondes. On va faire l'appel à un ami. Attendez, hop, je vais mettre Arctic Man. Bonjour. Oui, c'est une autre option. Bienvenue dans le stream. Bonjour à tous. Attends, tu veux que je vais peut-être le redémarrer, c'est plus simple. Hop. Non, mais là c'est bon. Enfin... Bon. Tu ferais comment toi? Alors, le truc c'est que celui qui est le deuxième en bas. Bon. Le deuxième en bas. En partant d'où? Droite ou gauche? En partant de droite? En bas, en partant de la gauche, ouais. De la gauche, le deuxième. Là, il va falloir le mettre. Non, ça va pas aller au-dessus. Parce que le truc, c'est que tu vois celui qui est en face de toi, là, qui te bloque actuellement. Celui qui est en face de moi, celui-là, ouais. Celui-là, là. Non, en face. Pas en dessous, en face de toi, qui te bloque actuellement. T'as juste à faire... Le truc, c'est la tirette, elle est de gauche à droite. Ouais, c'est ça, ouais, comme ça. Donc, en fait, celui qui est debout, là, en face, que tu touches, ouais, pas, mais si, qui te gêne, voilà, la seule façon de l'enlever... C'est d'enlever le truc qui est en dessous, oui, qui le bloque. Oui, d'enlever ça, ouais, pour le descendre. Voilà. Et donc, pour enlever celui-là, il va falloir que tu passes les deux petits ici, qui, ouais, sont à gauche.
Faut que je remonte. Non, lui, tu peux pas le monter. Enfin, voilà, c'est ça, c'est d'enlever lui, parce que le seul truc, c'est de le baisser. Oui. Non, mais ce que je dis, c'est que ceux-là, il faut que je les remonte. Ceux-là, il va falloir les remonter. Enfin, tu pourras pas remonter les deux complètement, je pense. Ouais, non, ça va bloquer. Ah, si, si, ouais, si, si. Attends, ouais. Descends celui qui est à gauche. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Remonte un peu celui-là. Ouais, voilà. Et pour débloquer, hein, il faut débloquer les deux. Coupe peut-être ton son sur sur Twitch parce qu'on on t'entend du coup. Oui. Il y a de l'écho du coup. Alors ouais, parce que voilà, en fait le truc c'est qu'il faut le prendre à l'envers, donc il faut enlever celui qui est en bas. Pour enlever celui qui est en bas, il faut enlever les deux petits, comme on a dit. Pour enlever les deux petits, il va falloir les monter. Sinon parce que je peux décaler ça et baisser ça, ramener ça là. Ouais. Et ensuite. Non parce que là, de toute façon, celui qui est en bas, on peut plus le bouger là, tu vois. Il non, est bloqué. Ouais, bah oui. Je vais mettre à temps. Essaye ça, ouais, voilà. Maintenant, faut remonter les autres. Mais ouais, mais on peut non, toujours ça, pas bouger. Ça bloque. On peut plus bouger, ça bloque là. Donc là, ça bloque. Là, c'est pas la bonne. C'est pas la. Oui, je reviens en arrière. Mais faut baisser, faut remonter celui d'en haut. Ouais. Essaye de le décaler que d'un cran. Celui-là là. Enfin, celui-là monte-le, ouais. Celui-là monte-le. En fait, pas celui-là, l'autre, celui qui est. Attends, hop, bouge plus, celui-là, voilà. Ah non, ouais, celui-là, voilà. Maintenant, tu avances celui d'en dessous. Attends, on va celui-là. Peut-être faire un truc, je sais pas, ça va peut-être faire ramener le stream. Excusez-moi les gens. Mais si je lui partage l'écran. Non, non, mais c'est bon, enfin, a priori, je le vois en même temps. Tu le verras plus en temps réel, je pense, non. Ouais, bon, ça va peut-être faire planter le son. Non, je pense pas, je pense pas en fait. Okay. D'accord, ok, tu dis. Si on baisse ça. Ah. Non, parce qu'il faudrait réussir à baisser les deux de gauche pour monter. Pour virer la barre qui est en dessous à droite, le temps de monter le reste. Oh la vache, c'est chaud. En fait, c'est plus chaud que. Ouais, il est pas si facile celui-là. Moi, généralement, je les résous en tâtonnant et en tournant les trucs jusqu'à ce que ça marche. L'autre était assez facile en fait. Tac. Bon, sinon on va aller choper une soluce, mais. Bon, il y a une aide aussi, sinon. Ouais, non, mais alors, c'est ballot parce que il est relativement logique quand même, a priori. Il faut juste trouver. La bonne façon. Voilà. Ça, je fais ça. 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 Ça descend. Ça décale. Ah non, parce que tu peux que les monter et les descendre. Ça monte. Je peux faire ça. Ouais. Ouais, mais on n'arrivera toujours pas à monter les deux qui gênent pour enlever celui qui est en bas à droite. Attends. Si je monte ça là. Non, parce que oui, tu peux pas. Tu, celui qui est. Le truc, c'est qu'il y en a, tu vois tout de suite que tu ne pourras pas les amener dans certaines positions. Genre là, le seul moyen de monter, en fait, c'est de décaler le truc là. Mais. Là, ah ouais, là c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, mais. Oui, bah, là, c'est bon, ouais, voilà, c'est ça. On a enlevé celui qui. Mais là, on est bloqué. Oui, là, on est bloqué. Attends, si je fais. Non. Si tu le mets pas tout au bout. Celui qui est tout en bas à gauche, là, décale-le de deux cases. Celui qui est tout en bas à gauche, décale-le de deux cases. Attends, là. En bas à gauche, pas à droite. Hein. Ouais, celui-là. Là. Non, en bas à gauche. Ouais. En bas à gauche, la gauche c'est sur la gauche, voilà, de deux cases. Oui, enfin, mais non, mais il y a du décalage, hein. c'est que je l'ai... quand tu me l'as dit, j'étais en train de faire ça. Ah d'accord, Maintenant tu redescends les deux autres, et comme ça tu peux remettre celui qui est à l'horizontale, tu peux le remettre complètement, non, tu descends les deux autres, les deux petits là qui sont sur la gauche. Oui, c'est fait. Ah oui d'accord. Ah oui c'est que moi j'ai du lag par rapport au moment où toi tu fais les actions. Bah oui, c'est ça. Où je vois les actions chez toi. Ouais. Donc
maintenant tu voilà. Maintenant tu peux redescendre le grand du milieu là, qui celui qui gênait dès le départ. Oui, bah, ça je l'ai descendu. Voilà. Okay. Je suis revenu un truc avant. Ouais, là tu es presque là, a priori, parce que maintenant tu descends celui qui est tout en haut à droite. Descends celui qui est tout en haut à droite, ok. Bah tous les deux. Ah ben, putain, là, je t'ai remonté plein de trucs. Bah, c'est, le truc, c'est que tu fais trop de... Oui, non, mais j'ai attendu un peu après. Alors. Là, je touche à rien pendant une minute ou 30 secondes. Tu me dis quand tu vois que les trucs bougent plus. Là, parce que là, tu peux remonter. Ah, mais non, parce que c'est pareil, il y en a deux qui gênent, là. Bah sinon, je peux faire ça, remonter ça, descendre ça, et là on y est presque. Mince, ça marche pas. Trop tard. Il dit trop tard. Et, bah oui, parce qu'il nous a dit c'est lui qui bloque la tirette, mais voilà, c'est pareil, comme il y a un décalage monstrueux, ah bah, y a, ouais, c'est entre 5 et 10 secondes, et ouais, du coup c'est hyper chaud. Parce que maintenant, il faudrait remettre l'autre. Est-ce qu'on peut... Tu actionneras pas la tirette complètement en une fois. Ah, c'est pas con ça. Oui, de toute façon, ouais, c'est ça, il faut l'avancer et rebloquer. Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est pas un problème. Je peux faire ça, tac, 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 et tac, voilà. Rien tel qu'une enfance au fond d'être pour devenir expert en projetage de cellules. C'était la bonne indication. C'est bon. On a ouvert la porte. Oh, merci, Arctic Man. Bah, et puis Big aussi, ouais. Et puis Big Wood. Bon, bah, Je recoupe juste là. Ouais, ça marche à plus. À plus tard, merci. Ok, bon, ben on continue. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Je crois que j'avais vu Benzaï faire ce let's play en partie. J'adore les taquins, du coup j'ai un peu de skill. Moi, le je suis pas fan du tout pas des taquins. Des années. J'avais un vélo d'appartement qui avait subi le même sort. Oups. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. La douille de cuivre était lisse et parfaitement cylindrique. J'aurais abîmé le canot, mais je crois bien qu'il ne flottait déjà plus de toute manière. Bon, forcément, là, il y a l'air d'y avoir une porte. Hein. Tiens, une porte de pierre. Il devait y avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Un trou grossier avait été creusé dans le pilier. Les mots « sinistère » et « dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici? Il ne se passait rien. Le trou était trop fin, même pour ma petite menotte. Ok, on regardera après. Et là, j'imagine pas de poignée, rien de particulier, mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Tiens, une porte de pierre. Alors. Marche pas trop vite, surtout. On aurait presque dit que la clôture était là pour servir de passerelle. Je ne voulais pas dresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Bon, on va essayer de mettre un objet. La douille, ou peut-être la clé du coffre-fort. Il
Non, a priori, ça fait rien. Pareil. Oh non! Oh non! Ah, à moins qu'on utilise le cylindre de l'autre fois. Ah, voilà. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. Ah oui, d'accord, forcément il y a une fleur de lys. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Ok. J'avais dû faire une erreur. Le mécanisme s'était remis à zéro. Ah, attendez. Je crois que j'ai une idée. En roulant le cylindre plein de peinture, SD, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiudi ». Oui, on s'en fout de ta vie. En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Gauche. Droite. Un clic. Un nouveau clic m'avait indiqué que je... Gauche, gauche. Droite. Et là, je sais plus. En roulant le cylindre gauche, plein de droite, peinture, gauche, j'avais droite, obtenu gauche, un... Il disait... Merci pour ceux qui l'ont réécrit dans le chat. Oh, quelle douce musique, le bruit d'un verrou qui s'ouvre. J'ai trouvé un peu moins joli en plus les nouveaux décors qu'ils ont rajoutés. Ut lex vel, ut nec sumito. À la loi ou à la mort, soumets-toi. Je me disais que ces gens ne croyaient ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Oui, je le reconnais, j'ai bacheté à l'école. Je mettais aussi du rouge à lèvres et les bonnes sœurs ne l'ont jamais su. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que le jeu vous semble assez clair? Parce que je peux un petit peu éclaircir si vous le voulez. J'ai enlevé mon filtre qui éclairait les jeux parce que je trouvais ça pas forcément très beau pour les streams. Il y a quelques streams. Mais dites-moi. Bon, là, c'est sombre hein, comme scène, hein, de toute façon. Mais justement, c'est pour ça. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. Oh oui, ça avait l'air d'être violent. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Ah oui, elle est sur tous les trucs que tu utilises. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Alors, est-ce qu'on peut avoir un machin qui pourrait retenir ça? Le panneau ne bougeait pas. Il n'y a pas des objets récupérés? Non. Est-ce qu'on aurait un truc? L'éléphant? Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Ouais, voilà. La douille. Non. Il faut que je trouve un truc pour retenir le bout de croix. Peut-être un bout de bateau. Est-ce qu'on peut pas arracher un bout de bateau? J'aurais abîmé. Ça n'aurait fait que l'abîmer. Bah oui, mais justement, on aurait bien besoin d'abîmer d'un bout de truc pour tenir la croix. Alors, j'ai pas dû voir un objet ou un détail du décor, j'imagine. Ut lex vel, ut nex. Oui, d'accord, ok, ça c'est la mort machin truc. Sinon, est-ce qu'on peut bloquer la porte? Est-ce que je peux récupérer le cylindre? J'avais ôté à nouveau le cylindre. Ah, peut-être qu'avec le cylindre, je pourrais. Cylindre. Le cylindre qui sert à tout. Hop. Et si je la relève et qu'ensuite j'utilise le cylindre? En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux.
Sachant que ça, dans un escape game, vous êtes plusieurs, donc vous n'aurez jamais ce problème. Ouais, voilà. Okay. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Une ouverture ronde creusée avec précision dans la pierre. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi ? Genre le cyan que j'ai utilisé pour bloquer la truc. Alors, bon, et c'est tout ce qu'on a de rond, non ? La douille. La douille était trop large. Dommage. Vachement bien. Est-ce qu'on peut interchanger ? Je vais remettre la douille à la place du cylindre. La croix n'avait pas besoin d'être calée. Bah si. J'avais récupéré le cylindre. Donc on va recommencer. Bon, il faut exactement le même bail, donc ça tombe bien. Un petit effet de son avec un petit carillon, là, quand on a trouvé des trucs. L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. On a besoin de WD-40. Une porte secrète. Ça commençait à devenir intéressant. Hélas, le mécanisme s'était bloqué. Il allait falloir que je trouve un moyen de l'ouvrir. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Une porte secrète. Ça commençait à devenir intéressant. Hélas. Je suis pas sûr, mais bon. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. On est bien d'accord. Et si je peux... Est-ce que je peux reprendre la douille ? J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Ah. Je ne vois pas comment je vais faire pour ouvrir une porte avec une douille de flingue, mais bon. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Est-ce qu'on peut reprendre ? Ouais, mais je pense que si je reprends le cylindre... Ah, quoique ça s'est coincé, faut voir. Ah non, voilà, toujours. Ou alors, il faut que je laisse la douille et que je reprenne le cylindre. C'est possible, ça. Quoi, si je remets la douille. Salut, ça c'est une bonne énigme, je trouve, avec des objets limités, essayer d'activer un truc. Et là, si je l'enlève. Ouais, ça retombe. Ça retombe. Bon, elle a dit qu'il fallait un truc plat. Donc on va faire une stratégie qui marche souvent dans ces jeux-là. Un truc extrêmement courant et régulier. Utiliser absolument tous les objets avec le décor et voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, bon, donc pour l'instant, je n'ai rien qui permette de... Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que je récupère la douille. J'avais retiré la douille.
Alors, sans doute, si on peut récupérer la douille, c'est qu'elle doit servir à un truc, quand même. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bon. Une idée, le chat? Pendant que moi je vais aller trouver une idée sur la. Sur le truc en ligne qui s'appelle Insolus. Waouh, ils nous ont détaillé les taquins, c'est marrant. D'accord, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Il faut un truc plat. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, on va enlever ça. Je suis trompé. Ouais, mais moi je trouve qu'elle est un peu lente, cette dalle qui fait un bruit écrasant. Eh, mais la question que je me pose, c'est comment je vais faire pour ouvrir le machin? Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. Bon, on va voir si ça peut bien marcher quand même. Je trouve ça très logique de modifier un objet qui passait à un endroit pour... s'il doit repasser au même endroit. Ouais, bon, ça passe. Tu rebloques la croix avec la douille. Ouais, je comprends, mais... Ouais. Bref. Je vais retirer la douille. Ok, et maintenant... Sachant que Nico, normalement, n'est pas le héros principal de ce jeu, hein, vous savez. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais? Oui, ça manque pas tant de logique que d'indices, je trouve. Ouais, ensuite, le jeu lui-même, si je me rappelle bien, l'autre partie, je trouve ça plus clair, justement. Là, c'est le... Waouh ! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage ? Et quel était le lien avec Carchon ? Et c'est là que tu regrettes de pas avoir de téléphone portable à cette époque-là. Avec une lumière. Comment est-ce qu'on éclaire ce truc? Ah, là il y a un truc. Incroyable! Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Il
Oui, ou une lampe de poche. C'est vrai que, en tant que journaliste, explorateur, agent secret et, ce genre et de porte cache privé, toujours quelque chose d'important. Servir. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Ce genre de porte cache toujours quelque chose. Ça n'allait pas m'aider. Comment ça ? Une fente près de la porte du coffre, comme une sorte de serrure étrange. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Il ne me restait plus qu'à trouver une forme géométrique qui entre dans la fente. Ça n'allait pas. Non. On verra plus tard, on va fouiller un peu plus le truc. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Ça manque de poussière, moi, je trouve, hein. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. D'accord. C'était une façon de ne pas mettre des croix gammées, c'est ça ? Les drapeaux avaient été délavés. D'accord. Bah, peut-être qu'ils ont mis ça à la place de croix gammées. Des emblèmes. Ah non, c'est toujours le drapeau. Non, je m'en fous, pardon. Je pensais que... Les drapeaux... Des emblèmes. Oui, il y a une toile d'araignée, mais tout le reste est hyper propre, quoi. Moi, je peux vous dire que quand vous laissez un meuble comme ça pendant des années, il devient pas propre. Déjà, vous le laissez si bon, il devient pas propre. Hein. Surtout dans une cave à la con. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Ok. Ah d'accord. Tu peux prendre le tiroir. Mince, je détestais ça. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats. Un cadavre... et un village en flammes. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Et si c'était ton père ? C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance. Ah, c'est Strauss-Kahn mélangé avec Le Pen. Elle publiait un article explosif. Mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir. On apprendra peut-être que la salle est encore utilisée. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Il n'y avait rien d'autre dans le tiroir. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Ah, bah voilà, t'es contente. Il nettoie. Oh mon Dieu. Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. Deux hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les deux cas... L'assassin portait un costume, un pingouin et un bonhomme de neige, mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon ? Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Mes articles au sujet du tueur déguisé. Mes articles au... Ah, c'est tous les articles, ok. Mes articles au sujet... Une chose était sûre, une personne liée à Carchon me surveillait. Y a rien d'autre à prendre ici ? Non. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Est-ce qu'en enlevant le tiroir, ça a ouvert un truc derrière ?
peut-être. Non. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas... Ça n'allait pas m'aider. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ? Ok. D'accord. Ça, c'est une énigme qu'ils ont repris dans l'ombre du Templier. Alors, généralement, pour faire ce genre de truc, on doit d'abord trouver les E. Les E, c'est pas mal. Les E... Si je dis que le E, c'est ça... Ouais, c'est pas ouf. Alors, faut essayer de voir. Les ronds, là, il a l'air d'y en avoir pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais deux ronds d'affilée, ça doit pas être un E. Qu'est-ce qu'on a beaucoup? Ah, là, ça, c'est pas mal. Ça ressemble à un E. L'espèce de 2. Est-ce que c'est ce que j'ai pris? En bas, au milieu. C'est pas mal aussi. Mais je vais garder mon truc pour l'instant, mais je prendrai ça en dessous. Excusez-moi, il faut que j'aille 30 secondes aux toilettes. Je fais une toute petite pause. Et je reviens tout de suite. Hein. On a vraiment pour rien du tout. Je mets ma pause juste histoire de... Voilà, à tout de suite. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'espèce de 2 pour le E en bas au milieu. Alors, bon, on va essayer le 2. Non, c'est bizarre, il y a des double E. Non, je pense que j'étais pas si faux. Hein. C'est pas si mal, ça. Non, c'est plutôt c'est plutôt un N, en fait. Ouais, c'est peut-être un N, tu veux dire. Attends, on va essayer. Si on dit que ça, c'est un N. Ah, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Les L. Les L, parce que le L, c'est souvent utilisé dans le, là, les...
Est-ce que ce serait ça? C'est chelou. Le presque rond, c'est une consonne qui se double. L-O-N. Attends, je vais regarder. Le presque rond. Celui-là, là. Ah, c'est pas mal. Ça ressemble un peu, ouais. On peut essayer avec un R aussi, ouais. Ah ouais aussi. En haut on aurait guerre éventuellement. Si on essaye juste pour voir. G et l'espèce de zigouigouille là de N. U. Non, ça a pas l'air logique. R. Change le N en T, je pense. Le N en T. Le N, ok. Ok. Ouais, c'est pas mal, ouais. On a quelque chose. Attendez, j'ai bougé mon micro en partant sans faire exprès. Voilà, là c'est mieux un peu quand même. Donc, on en était où? Est-ce que je garde le R comme ça? Là, si on remet un L. C'est pas mal aussi, hein. On pourrait faire ruelle. Un U. Celui-là, c'est peut-être un U hein, dans tous les cas. Guerre ou ruelle. Et si je mets un R là-dessus, ruelle. Non, ça veut rien dire. C'est pas ça. Est-ce qu'on a des doubles trucs? Ah, celui-là, il se double. Ah, cela dit, c'est peut-être le N qui est pas juste. Le N, j'ai trouvé. Regarde les mots de deux lettres. Regarde les mots de deux lettres. Oula, il faut que j'enlève beaucoup de choses là. Ne. Ah ouais, c'est peut-être le. Celui-là. Ce qui voudrait dire que ça, ce serait une. Celui-là, si on dit pas de bêtises. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça. On peut l'essayer en tout cas. Oui, attention, ça va dans le bon sens. Oui, bah on va tester. Là, si je mets un U là ici, ça donne quoi? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Mais ce mot là, il veut rien dire. Bon, je pense que mes R sont pas bons déjà. Ok. Et attention en dessous aussi. Je comprends pas ce que tu veux dire, Gislain. Alors attends. Est-ce que l'espèce d'Aleph là, ce serait pas un N ou un N peut-être? L'avant-dernière ligne, le premier mot, c'est attention. Ah ! L'avant-dernière ligne, le premier mot, attention. Ok. Ah oui, c'est possible, ouais. Donc là, ce serait les N, effectivement. L'espèce de truc, ce serait un A.
serpent, ce serait I. Et l'espèce de triangle, ce serait le O. Je crois que le L est pas bon. Deuxième ligne, premier mot, allumé. C'est le L, c'est lui. Attendez, j'ai peut-être une idée. Si je mets le lui, mince, je ne retrouve pas. Attendez, l'espèce de. Ah, 610, c'est un D. Et l'espèce de rho, on dit que c'est un R. Ah, attendez, ça peut être un P. Ah oui, c'est pas mal ça. L'espèce de ça, c'est un V du coup. Je crois, arrive. Rapport. Comment ça avoir des lettres nécessaires. Ça, c'est le S. Ça, c'est un C du coup. Tac. Ensuite, ça, c'est un M. J'imagine. Ça. J'avoue que je sais pas. Danger. Ça, c'est un G. En tout cas. Est-ce qu'il est. Une espèce de rond. G. Voilà. Vigilance. Donc, ça, c'est. Ça, c'est le L. Ok. Oui, c'est ça, vigilance. Donc, hop. Ce serait le L. Bi. Non. Qu'est-ce que ça dit? Sont en danger en bas. Sont en danger. Oui, ça, ouais. Vigilance, dernière ligne, dernier mot. Oui, bah c'est bon. Une coïncidence, attention et vigilance. Nécessaire. Alors, ne peut. Ne peut attendre. Alors, ça, c'est un U. Ça, c'est un X. Juillet, le rond, le 16 de 8, c'est un J. Et le 4, le 5, le 6, bah là, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Ne peut attendre, Arnaud et Tamada, Amanda, c'est un prénom, mais... La bulle de BD, ouais, moi j'ai quasiment tout récupéré, c'est juste ça, je me demande. Bamada, Famada, Kamada, Wamada, Yamada. Ah, Yamada. J'avais déchiffré le message. Il disait Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. X. Je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'il voulait me rencontrer. Mais que pouvais-je savoir qu'il ne savait pas déjà? J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation. Et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. Ok. Bon, par contre, on n'a même pas pu ouvrir la porte. Attention, l'appart de Flea Fauché. Alors, il n'y a pas grand-chose dans l'appart, mais il est grand. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne? Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu ne l'as pas imprimé? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide.
On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. La joie. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Il faut aller voir Mediapart. Abonnez-vous à Mediapart. Et on est dans les années 90, bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au café de la Chandelle Verte, rue Alain Corr. Je fais pas aussi bien que politique. Je porterai un par-dessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h. Je vous attendrai. Tintintin. Ah oui, cela dit, ça boucle bien. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, ben voilà. Et ça, c'est le jeu. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Normal. Mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Et voilà, c'est ça qui fait bizarre, là. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Et voilà. Et là, normalement, le jeu commence comme ceci. En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Le clown. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur. Comme la liberté et l'égalité. Et, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non? Ça, et là, pas du gain. Évidemment. Et voilà. Et nous commençons à incarner George Stuart, le protagoniste habituel des Chevaliers de Baphomet, qui est donc un Américain. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Ah, ça, il y a des sons un peu chelous, par contre. I'm Batman, the justicier. Ça plante chez moi et j'ai une réunion. A plus. D'accord. Salut, bisous. La table avait été retournée par l'explosion. Ah, c'est bizarre, le son est mauvais sur certains trucs. Bon, bref. Autour du lampadaire, il y avait un journal. Ça, normalement, ça n'était pas dans le jeu de base. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est, au nom imprononçable. Mais ça donne un peu de logique avec ce qu'on va voir après. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel.
L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang-froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salah Eddin, 1345. Et ça, c'est le. Dans le jeu, en fait, il prend le journal et il voit juste Salah Eddin, 1345, dans la version originale, en fait. Hein. Sachant que Salah Eddin, c'est une version arabe pour Saladin. L'article principal était consacré au meurtre, ce type. D'accord, bah, à part ça, pas grand chose. Hop, journal dans la poche. Les poches s'en font. Les jeux d'aventure. On va parler au cantonnier. L'inspecteur Moore. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh, ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Moore. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter ? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort ? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart. Je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart ? Le tourisme. Je fais le tour de l'Europe. Bonne idée. Paris est splendide à cette période de l'année, non ? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café ? Alors, ouais, là, le truc qui me fait bizarre, c'est déjà l'inspecteur, il est tout maigre sur la sa version comme ça. Mais ouais, je sais pas, je suis pas fan de ces expressions machin. Et ouais, ce qui faut savoir, c'est qu'en français, Georges est doublé par Emmanuel Curtil, qui fait aussi Simba et plein de personnages dans Roi Lion et puis plein de personnages de fiction. Donc voilà. Oui. Il était seul ? Oui. Il vous a dit quelque chose ? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café ? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon ? Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou ? Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition de l'Américain. Un clown avec un accordéon. De toute évidence, un déguisement. Très bien. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire ? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors ? Vous ne me donnez même pas un conseil ? Si. Restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils ? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein ? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur ? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Et donc, on a le sergent Mou, qui, lui, est joué par Piraté. À la base, Piraté, c'est la voix de Doc Brown dans Retour vers le futur. Ensuite, elle ressemble des masses, mais c'est lui. Excusez-moi, mademoiselle. Hello, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein ? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu ? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un imper ? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est ?
Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article où je faisais le lien entre deux meurtres inexpliqués en Italie et au Japon. Les affaires étaient quasiment identiques. Une victime riche, pas de motif apparent et un tueur déguisé. Plantard m'a dit qu'il pourrait me fournir des renseignements. Je ne sais pas comment, mais le clown a su pour notre rendez-vous. Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rousseau? Rousseau? Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rousseau? Il est ici? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi? Ce type est trop louche. Yeah. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. J'ai trouvé ce journal devant le café. C'est pas un journal, c'est un ramassis de ragots. Peut-être qu'il appartenait à Plantard. Si c'est le cas, il aimait les torchons d'extrême droite qui racontent n'importe quoi. Ça ne nous avance pas beaucoup. Quelqu'un a écrit quelque chose dessus. Salah al-Din, 1345. On dirait un truc de parieur, le nom d'un cheval et l'horaire d'une course. Qu'en penses-tu? Moi, je pense pas. Je ne crois pas, c'est trop évident. Je suis quasiment sûr qu'il s'agit d'un message codé. Je ne pense pas, c'est une idée un peu trop romantique. Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Je ne savais pas que son prénom était Augustin. Ça lui va bien. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Parce que ce clown a failli avoir ma peau. Ce n'est pas une raison suffisante? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la revoyure. Ah, très bien. À plus tard. Eh ben, c'est pas mal, là, il est 53. Je vais peut-être m'arrêter là, en fait. Et on a le journal qui s'est mis à jour. Alors, du coup, le journal de Georges, il est en calepin. Paris vacances, enfin mes vacances à Paris. Alors, ça, c'est la vie. Les terrasses, le café, le soleil et les jolies femmes. Waouh, le bistrot vient d'exploser. Un clown a placé une bombe dans un accordéon qu'il a laissé là. Un type a été tué et moi j'ai failli y rester. Dès que je retrouve mes tympans, je m'occupe de ce type. La police pense que je n'ai rien à voir avec l'explosion. C'est déjà ça, mais qui a fait ça? J'ai rencontré une charmante journaliste, Nicola. Elle travaille pour le journal La Liberté. Elle semblait avoir quelque chose sur cette affaire. Mais elle ne paraissait pas très bavarde sur le sujet. Mais elle m'a donné son numéro. Voilà. Je vais regarder si... Ouais. Bon, on va s'arrêter là parce que je trouve qu'il y a une nouvelle scène, etc. Et je pense que je repasserai à la scène cinématique au début du prochain stream. Je repasse en petit vue comme ça. Ben j'espère que ce petit stream de départ des Chevaliers de Baphomet vous a plu. Là j'ai décalé, j'ai mis à vendredi le prochain stream, parce que vu qu'on avait déjà Mélancolia, moi ça m'a arrangé d'un point de vue horaire pour l'instant, et vu qu'on avait Mélancolia le jeudi soir, ça permet de répartir les streams un peu sur toute la semaine et qu'il y en ait un peu tout le temps sur la chaîne. Suite de ça vendredi, et puis est-ce que vous avez des questions, des envies, des machins, etc. Moi c'était un... D'ailleurs, tant que j'y pense, là on a eu Ghislain qui est venu avec moi pour m'aider à faire des solutions, etc. C'était un peu des objectifs que j'avais aussi sur ce format, c'est qu'on ait éventuellement pas que ma voix aussi tout le temps. Donc si jamais, à l'occasion, Articman, tu veux m'accompagner sur tout le stream, ça peut être sympa. Et puis voilà.
On va mettre fin au stream là. On va regarder un peu qui c'est qui stream pour essayer de faire un petit raid. Attendez, je vais mettre à jour. Oui, n'hésite pas à Discord, c'est ça que t'as dit. Oui, n'hésite pas à Discord. D'accord. Alors, on a Charlet qui stream du Bloodborne. Il est plutôt pas mauvais sur Bloodborne. Donc moi, je vous proposerais bien de raid de Charlet. Et puis en attendant, je vais... J'examinais la vitrine. Excusez-moi. Elle était bel et bien détruite. Ça a cliqué n'importe où. Donc, je vais vous mettre mon petit générique de fin. Prochain stream, en tout cas, sur la chaîne. Pour l'instant, ce sera mercredi avec Doskoï. Mercredi soir. Et... parce qu'Aurélien n'est pas là encore aujourd'hui. Il est encore en vacances. Mais je vais peut-être faire un stream soit ce soir, soit demain soir sur le Steam Summer Festival avec les démos qu'ils ont filé. Donc ce sera sans doute Desperado 3 où je referai la démo de Nullbug que j'ai pas fini. Ouais, raid sur une chaîne en ligne cette fois, ouais, t'as raison. Mais c'est que l'autre fois, le temps qu'on raid, bah, ça, il a déconnecté, je crois. Mais là, j'ai actualisé pour vérifier. Je vous dis à bientôt, des bisous, je vous mets mon petit générique, et puis on va raider l'ami Charlet, voilà.